Toi, t'es là, toi. Bon. Hey, tu reconnais ce petit coin? Ouais, j'ai les cheveux là. Ça vit. C'est depuis un an, ça. Les cheveux ont bien poussé. Hey, première rando de la saison, enfin premier trek. Alors, la caméra, elle tient avec le vrai homme, Fabien. Et oui, Fabien est là cette fois-ci. Tu reconnais ce petit coin? La dernière fois, j'avais fait le GR10 et je m'étais arrêté à Bidaraï pour Noumbia. Et bien là, avec Fabien, on continue ensemble de Bidaraï jusqu'à Arrête la Pierre Saint-Martin, station de ski. Donc il y a 125 km qui est de prévu. 7,5 km de D+, 6 km de D-. Bon, je te passe le détail. Il y a beaucoup de distance à faire. On a 5 jours. Donc ça va être sympa. Regarde, la météo est plutôt avec nous pour le moment. Et puis, let's go! Ok, let's go! Arrêter 10,74 km. Il y a un oiseau qui passe derrière toi. Il y a un oiseau. Oh, on va monter dessus et on va arriver. Transition incroyable. On va monter dessus, on va descendre et arriver à Saint-Étienne de Baïgorry qui est juste en contrebas. C'est notre objectif pour là tout de suite. Là, donc j'aimerais bien que on y soit dans 2h30, 3h. Je sais pas, on va faire au mieux. Il est bientôt 16h. Il est 16h30 même, je crois. Et après, il faudrait remonter un petit peu en face. Là, il y a une petite dune. Et il faudrait remonter un peu dessus pour se trouver un petit coin de bivouac. Donc, on a encore pas mal de distance à faire. Et on a un super temps. Et c'est magnifique. Vraiment, trop bien. Hey, qu'est-ce qui se passe, Fabien? Ah, j'ai le bout tordu. T'as le bout tordu, hein? Ouais, quand moi, on dit que je suis gros et que je tords les bâtons, hein? Qui est gros aussi, là? Hein? Hein? Hey, gros sac! Il est gros! Ok, let's go. Il en fallait bien, il faut bien des ok, let's go, sinon ça serait ennuyeux. Nous sommes à 19 km de distance. On est à Saint-Étienne de Baïgorry, il est 18h25, 18h30, un truc comme ça. Là on va manger, tout de suite parce qu'on a vraiment faim. On a vraiment fait une grosse journée de rando. On mange tout de suite, petit lyof. Et après, on va continuer à marcher, par contre, pour poser la tente vers 21h, 21h30 et se coucher direct. Donc, on inverse un peu le raisonnement, mais ça marche bien aussi, quoi. Puis, il faut vraiment alimenter les gros sacs. Les gros sacs.
Ça va faire du bien, ça. Les aventuriers, première nuit compliquée, après avoir fait une journée à 2100 mètres de dénivelé, 26 km, c'était un peu compliqué. On a trouvé un petit spot pour la nuit, on allait un petit peu plus loin que ce qu'on avait prévu hier, parce que c'était plus simple pour se trouver un endroit sympa. Là, petit déj, on n'a pas très bien dormi avec Fabien, mais petit déj réconfortant, espèce de grosse plâtrée, ça va bien nous colmater le vide. Il y a à peu près plus de 900 calories sur le petit-déj. Donc là, c'est vraiment très bien pour reprendre des forces, pour attaquer tranquillement. Voilà, mais bon appétit. Chocolat, avoine, cranberries, cacao en poudre. Let's go! Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Monsieur! Oh le pétard! Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une petite mine de nuages et c'est surtout qu'on voit l'objectif de fin. J'essaie de zoomer pour te montrer. Tu vois l'espèce de dent qui dépasse là-bas? C'est le Picani, très certainement. Faut qu'on aille juste en dessous. Ah oui, effectivement. Il y a un sacré bout, mais ça va le faire. Picani, c'est ça, Picdani. Ah, c'est Picdani, ouais. Bah, ouais. Attention, là, on a du lourd qui arrive. On est à Saint-Jean-Pied-de-Port, on a fait un petit ravitaillement, pris quelques sandwichs et bien évidemment, qui dit Pays Basque dit petit sifflard, dit petit fromage, c'est dans le sac, donc on se fera plaisir un peu après, ce soir, demain midi, demain soir, etc. Et là, en attendant, on a acheté trois beaux gâteaux comme ça, petit gâteau basque, deux à la cerise, un à la crème, parce qu'on est vraiment des gros sacs. Ça va nous faire du bien, parce qu'en vrai, hier, on a brûlé 5500 calories, je crois, c'est énorme, donc faut manger. Donc bon appétit, allez, on fait la découpe. Attention, on va pas en mettre partout. J'en profite pendant que Fabien fait un brin de délestage pour vous tenir au jus. Là, on a eu beaucoup de routes depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça avance plutôt bien, mais il fait quand même sacrément chaud. On en est à 19,7 km, 6h16 de temps effectif, tout compris. On ne coupe pas le chrono pendant les pauses, ça permet de faire une moyenne, tout compris. On doit monter derrière moi, là, il y a un truc qui. Un petit sommet, il faut monter et descendre de l'autre côté. Pour arriver à Esten Rancubi ou Grand Cubi de vin rouge, on va dire ça, c'est plus simple. Hein. Donc Grand Cubi de vin rouge. Une fois qu'on est là-bas, on aura quasiment fini la journée, il restera à peu près
une heure de marche. On va essayer de voir si on avance bien. Bon, écoute, hein, c'est terminé pour les petites news et à la prochaine. Hier, on était là-bas. On voit les crêtes par là. On a longé là où je pointe la caméra jusqu'à ce matin pour tout redescendre. Puis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port qui est en contrebas. Donc encore plus loin là, qui est au fond. Puis après on a tout remonté. Et Monsieur Rebos, reporter Monsieur Rebos, c'est à vous. Salut mes petits potes, on se fait une petite pause goûter après une belle marche de quelques kilomètres à Esterum Cubit de vin. Un cubit de vin, comme dit le frérot. Et donc du coup pour goûter, bah, pas de mieux que la spécialité d'ici, le petit gâteau basse. Ah bah tiens non, oh bah, il y en a eu un ce midi non? Mais je crois qu'il y en a un deuxième là. Let's go! Let's go, let's go! Ok, let's go! On fait à l'équivalence de notre énergie. Non, je déconne. Alors, 33 bornes et j'en passe 1005 de D, plus moins, dénivelé horizontal, arrière, sous terre, on a tout fait aujourd'hui. Là, petit spot, super bon, super bon. On s'est un peu fait fureur sur la fin pour vraiment réussir à atteindre le petit col de, je vois pas le début, Ramburu, Kararamburu. Et on est vraiment très très bien, là on s'est installé, il est assez tard quand même. Je vais te faire un petit tour du spot, on est super, on va manger. On a acheté sur la route, vraiment, tu vas voir, je vais te montrer. Ça te fait plaisir, puis je vais te faire un petit tour voilà, du paysage et tout. Allez. Voilà ce que je disais tout à l'heure, regarde-moi cette beauté. C'est pas beau la vie quand même. Regarde ça. Donc ça c'est une tome, c'est quoi? Brebis, c'est ça on a pris, ouais. Tome de brebis. On a pris donc là du sifflard au piment d'Espelette. Et après il y a un sifflard standard qui reste. Voilà. Allez, bon appétit. Pas bien, il est en pleine préparation là, le sac. Yo les petits potes, alors pause de déjeuner, l'eau est en train de bouillir pour le lyophiliser. On a trouvé un petit spot sympa là, je pense que Léo va vous montrer ça juste après.
ça dépote. On a fait 13,5 km, donc on en est un peu plus de la moitié de l'objectif du jour. Donc ça va être, c'est bien, c'est cool. On va profiter un max ce midi, se reposer un peu les panards. Les panards. Et voilà, on va repartir pour aller direction chalet d'Irati. Ouais. Cet après-midi. Et il y a un petit en dessert. Ah oui, en dessert, ah oui. Il y a le petit gâteau. Il y en a encore. Allez. Journée 3 terminée, on a fait un petit peu plus de 26 km, 1004 de dénivelé positif, 1002 je crois, c'est ça Fabien, de dénivelé négatif, ouais. À peu près, ouais. Journée un petit peu plus courte, enfin pas vraiment, hein, c'est un peu comme le premier jour, on a moins de dénivelé mais on essaie de bien avancer. Là on s'est mis ici parce qu'on pouvait continuer mais on n'aurait pas trouvé d'endroit identique à celui-ci. Là c'est vraiment dégagé, on a une vue vraiment magnifique, Fabien va te faire un petit peu le tour, le room tour, et on va te montrer un petit peu les environs, c'est super. Donc il est 18h à peu près, et puis là, c'est que du régal maintenant. Salut les aventuriers, ce matin c'est moi qui fais l'intro parce que Léo derrière la caméra il est pas très bien, il a pas envie de se montrer, donc il est à peu près 7h du mat, on est en train de se lever avec le soleil, là c'est magnifique. Aujourd'hui on a à peu près 25 km de prévu pour aller à Logibar. Même après ouais. Voire même un peu après si on peut aller un peu après pour avoir un peu moins à faire dimanche. Donc voilà, c'est parti, la journée commence, il fait bon, il fait beau, il n'y a plus qu'à. Let's go! L'aventurier, écoute, petit débrief quelques temps après la fin de la randonnée. T'as dû voir que j'avais pas filmé la fin parce que je suis tombé malade, je sais pas trop ce que j'ai chopé. Du coup j'ai eu fièvre, nausée, etc. Enfin assez violemment.
Donc on a décidé avec Fabien de mettre fin à ce trek là, mais c'est pas grave globalement parce que on avait déjà bien profité. T'as pu voir qu'on a fait des coins super. On a quand même fait une centaine de, quasiment 100 km je crois, en 3 jours et demi de marche, donc c'est vraiment très bien. Et puis on a eu super temps, etc. Et en plus de ça, quand on est arrivé, ils annonçaient des orages. Donc finalement, c'était plutôt bien de faire comme ça. Et puis voilà, je te laisse avec quelques photos de cette aventure. À la prochaine.